Yoga pour l'amour. Namaskar. Le mot yoga signifie union. Union de toutes les polarités, masculine et féminine. Yin et yang, individuel et universel. Shiva, Shakti, cerveau droit et cerveau gauche, ou quoi que vous vouliez les appeler. Pour atteindre cette union bénie, la forme la plus simple est le yoga du Namaskar. Placez vos mains ensemble, alignées l'une avec l'autre, au niveau de votre cœur, vous amènera à une certaine harmonie intérieure entre les polarités. Cela, en retour, amène un sentiment d'être uni avec ce vers qui ou ce vers quoi le Namaskar est dirigé. En plaçant vos mains ensemble, les dualités de vos goûts et dégoûts, de vos envies et aversions sont minimisées et il y a une certaine unité dans l'expérience de qui vous êtes. Pour quelques minutes chaque jour, placez vos mains ensemble en Namaskar. Regardez quelqu'un ou quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Peut-être le soleil, la lune, les nuages, le ciel vide, les arbres, les rochers, votre mari, votre femme, votre enfant, votre mère, père, ou une image qui compte pour vous. Regardez cette personne ou cette chose avec le plus haut niveau d'émotion que vous puissiez générer. Dans une attitude d'attention aimante, tenez Namaskar pendant 3 à 5 minutes. Your life will be on a transformational mode. Votre vie va passer sur un mode de transformation. Une fois qu'un être humain devient de plus en plus conscient de sa propre nature, il comprend que pour faire l'expérience de l'amour, l'expérience de la béatitude, l'expérience de l'extase, même l'expérience de mode de vie orgasmique, vous n'avez besoin de personne en réalité.